Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau nail art et aujourd'hui ça va être un nail art très très simple, vraiment fait pour quand on n'a pas le temps mais qu'on a quand même envie d'avoir quelque chose de joli sur les ongles. Vous allez voir, c'est très très rapide. Donc je commence par appliquer sur mes ongles un vernis noir qui servira de fond au vernis que je vais appliquer après, qui fait partie de mes vernis préférés de tous les temps. Parce que c'est pas parce qu'il faut que ce soit rapide qu'il faut que ce soit moche. Voilà, on peut se faire plaisir quand même. Donc j'applique mon vernis noir en deux couches et j'attends qu'il sèche. Et je prends mon vernis préféré, donc le vernis en question, qui est Solar Flare de Picture Polish, qui est vraiment absolument sublime. Et vraiment, je me désespère de voir la bouteille se vider à chacune de mes utilisations, parce que c'était une édition limitée, on ne le trouve plus aujourd'hui. Mais bon, j'ai quand même envie de le poser de temps en temps, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est bien dommage qu'il ne soit plus vendu, j'aimerais bien que Picture Polish le rentre dans la collection permanente. Voilà, c'est un message, Picture Polish. Puis je prends un liner noir et si vous avez un pinceau fin et du vernis noir, ça marche aussi. Et attention, ça va être très rapide. Donc je commence par tirer un trait en diagonale, puis je tire un autre trait qui va dans le sens inverse en faisant comme un angle droit à peu près. Et je réitère l'opération jusqu'à arriver au bout de l'ongle. Et on obtient un motif qui ressemble un peu à une tresse. Et c'est assez joli et vraiment c'est simple comme chou à faire. Voilà, on recommence, et vous voyez franchement, ce n'est pas très très compliqué, et c'est hyper rapide. Et voilà, c'est quasiment terminé déjà, donc je nettoie ce qui a débordé sur le côté des ongles, et je prends mon top coat poché. J'en applique une grosse goutte que j'étire doucement du bout du pinceau sans trop appuyer pour ne pas abîmer le motif qu'on a fait en dessous, et je borde bien mon ongle. Et c'est déjà fini, donc j'espère que ce nail art très très simple vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.